Le grec ancien dispose, comme le latin, de trois pronoms adjectifs démonstratifs pour indiquer le degré de proximité de la personne ou de l'objet désigné par rapport au locuteur. Rhodé, qui est à peu près l'équivalent de hic en latin, houtos, équivalent de iste, et ekainos, équivalent de ille. Nous allons entrer dans les détails de leur emploi en utilisant des exemples tirés de l'apologie de Socrate. La défense présentée par Socrate au cours de son procès en 399 et reconstituée par la suite par son disciple Platon. Socrate a alors 70 ans, et il s'étonne, à juste titre, qu'on le traîne devant un tribunal à cet âge. elikia » L'adjectif tade désigne ici l'âge du locuteur lui-même, de sorte qu'on peut traduire par à mon âge. Accusé de corrompre la jeunesse, il interroge son accusateur, Mélétos. <t> « Hoide. <'en> Tous <-en> Et ceci sont-ils capables, tous neus d'éduquer les jeunes, caibeltius poiusin, et les rendent-ils meilleurs? Le pronom démonstratif hoide désigne les juges qui sont ici présents et que Socrate montre certainement à son accusateur. Un peu plus tard, Socrate prend ses juges à témoin et leur montre tous les jeunes Athéniens qu'il a soi-disant corrompus, et qui pourtant sont venus le soutenir. Hodede aidaimantos, Adelfos adelphos utossi Platon. Hodede a voici adimante. ou adelphos utossi Platon, dont le frère est Platon, que voilà. Socrate désigne Adimante par le pronom démonstratif probablement parce qu'adimante se situe plus près de lui dans le tribunal et platon par l'adjectif houtos qui indique que ce jeune homme-là est un peu plus loin mais l'adjectif est renforcé par un iota qui prend l'accent houtosi », ce qui laisse supposer que socrate le désigne d'un geste de la main l'accusation semble donc fort sujette à caution il est temps de la rappeler Labomen o ten tuton antomosian, ekaidepos hode. Labomen Labomeno, reprenons, ten tuton antomosian, l'accusation de ces gens-là, ekaidepos hode, elle consiste à peu près en ceci. Nous avons ici affaire à un adverbe démonstratif, hode, qui indique ce que Socrate va développer à l'instant. En revanche, le pronom démonstratif toutone, génitif de houtos, désigne les gens que Socrate a en face de lui, ses accusateurs. Nous pouvons donc commencer une première récapitulation. Le démonstratif hode, utilisé en tant que pronom, adjectif ou adverbe, hode indique ce qui a la plus grande proximité avec le locuteur. Cette proximité peut être affective au point de le désigner lui-même. Le démonstratif sert alors de substitut d'un possessif à la première personne. Cette proximité peut aussi être spatiale. Rodé indique alors une personne ou une chose ici présente. Enfin, cette proximité peut être temporelle. Dans un discours, hodé, et plus souvent sa forme neutre, todé, tadé, peut désigner ce qui est sur le point d'être développé, ce qui va suivre immédiatement. En revanche, le démonstratif houtos » indique une moins grande proximité spatiale. Il peut désigner ce qui se trouve en face du locuteur, et donc dans un contexte judiciaire, la partie adverse. Dans ce cas, comme le pronom latin iste, houtos peut exprimer un jugement dépréciatif à l'encontre de cet adversaire. Dans un discours intégrant une narration, ce démonstratif houtos peut avoir encore d'autres emplois. Prenons par exemple la réflexion que s'est faite Socrate quand il a appris que, selon l'oracle de Delphes, aucun homme n'était plus sage que lui. Totagarego acusas, Enethumumen Et moi, ayant entendu cela, c'est-à-dire ces paroles. Je réfléchissais ainsi. Que peut bien vouloir dire le dieu? Le démonstratif hutos est ici utilisé à deux reprises sous sa forme neutre plurielle, tota, il désigne les paroles de l'oracle qu'il vient juste de rapporter. Et sous sa forme adverbiale, renforcée par le iota final, aussi il annonce ce qui va suivre. Cette sorte de balise dans le discours est surtout observable au neutre, singulier ou pluriel. Ces paroles du dieu de Delphes ont en fait été rapportés par l'un des amis de Socrate, Kéréphon, un homme de bien, qui aurait pu lui servir de témoin. Kai ho adelphos humin otu utosi, martyressei, epeide ekainos tete le teken. Kai ho adelphos otu utosi, et son frère que voici, humin martyressei, en témoignera devant vous. Et Paide c'était le teken, puisque l'autre, Kéréphon, a cessé de vivre. Cette phrase oppose deux démonstratifs différents, ekainos et Outossi. Comme nous l'avons déjà vu, Outossi désigne un personnage ici présent, le frère de Kéréphon, que voici, que Socrate manifestement désigne du doigt. En revanche, le pronom ekainos exprime un éloignement que l'on peut comprendre de deux façons. Temporel d'abord, puisque Kéréphon est mort à présent, il appartient désormais au passé, tandis que son frère est toujours vivant, donc plus proche de nous. La mémoire embellissant tout, on peut aussi donner une valeur laudative à cet écaïnos, comme le pronom il est en latin, cet homme de bien. Mais on peut aussi tout simplement constater que Socrate a mentionné Kéréphon dans son discours avant de parler de son frère. Des deux personnages, Kéréphon est le premier par rapport à l'autre, le plus éloigné relativement dans le déroulement du discours. Voici enfin une dernière phrase pour confirmer cette opposition entre Outos et Echainos. Socrate indique que ce n'est pas la première fois qu'il subit des calomnies de la part de ses adversaires. Emugar poloi catégoroi Palai polaede de ete. Us ego malon fo bumai. Et tu samfi anuton. Caiperontas caitutus dainus. Alle cainoi dainoteroi. Emugar poloi catégoroi gegonasi. J'ai eu de nombreux accusateurs. Palaipola edeete. Depuis déjà de nombreuses années. Hus ego malon fobumai. Que je redoute plus. Et tousamfi anuton. Que les gens qui accompagnent Anitos. Caiperrontas caitutus dainus. Bien que eux aussi soient redoutables. Alecainoi dainoteroi. Mais les premiers sont plus dangereux. Le couple de démonstratifs, Ekainoi et Toutus, distingue ici deux périodes temporelles. Ekainoi désigne les accusateurs de longue date et Toutus les accusateurs actuels. Le couple suggère aussi une sorte de jugement de valeur plus subjectif. Les anciens accusateurs sont plus dangereux, donc plus importants, que les accusateurs actuels, qui ne valent pas grand-chose. Mais on peut aussi simplement justifier l'opposition par rapport à l'ordre dans lequel les uns et les autres sont apparus dans le discours. Les anciens accusateurs sont les premiers dans la phrase, tandis que la clique d'Anitos a été évoquée ensuite. Il s'agit des derniers mentionnés. On peut donc tenter de résumer les différents emplois du démonstratif et kainos. Il désigne le plus grand éloignement, dans divers cas de figure. Spatio-temporel, d'abord, et plus simplement dans le déroulement du discours du locuteur. Il peut avoir enfin une valeur emphatique, laudative, mais pas systématiquement.